Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Tenez-vous bien, aujourd'hui sur la chaîne, en collaboration avec la société Switchbot, écoutez bien, Switchbot aujourd'hui lance un énorme concours sur plusieurs chaînes YouTube, dont Vision High Tech. J'en suis vraiment super content. Dites-moi ce que vous en pensez de faire des concours comme ça en collaboration avec des sociétés. Et Switchbot vous lance un concours pour gagner plus de 50 iPhone 14 lorsque celui-ci sortira sur le marché. Et ce concours est bien sûr mondial. Vous allez pouvoir gagner votre iPhone 14. Alors pour gagner cet iPhone 14 lors de sa sortie en septembre, il faudra faire l'acquisition d'un produit Switchbot. D'ailleurs, j'en ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à les voir. Aujourd'hui, je vais vous présenter leur dernier cri, la caméra d'intérieur qui tourne à 360 degrés, qui va vous surveiller votre domicile quand vous allez partir en vacances. On va parler de la Switchbot Pan Tilt. 360 degrés, vous allez voir, il y a pas mal de specs super intéressantes. On est sur du Full HD 1080p, on est sur une caméra qui tourne en 360 degrés, qui va être compatible et complètement accessible avec nos assistants préférés tels que Google Assistant et Alexa. Donc pas mal de choses en perspective avec cette caméra. Dans un premier temps, on va déballer la caméra Switchbot Pan Tilt. C'est parti les amis pour le déballage. Alors je vous mettrai bien entendu toutes les instructions en description, car pour participer à ce concours, il faudra que vous faites l'achat d'un produit Switchbot d'ici le mois de juillet. Vous avez donc tous les liens et toutes les explications en section description. N'hésitez pas à les voir pour gagner votre iPhone 14. Regardons ensemble d'un peu plus près l'intégralité du package. On aura donc notre PAM Tilt 360 degrés, donc bien sûr, vu son nom, la caméra pourra tourner sur 360 sans aucun problème. Elle pourra aussi voir de haut en bas sur 60 degrés. D'ailleurs, si vous désirez intégrer une carte micro SD, ça va se passer sous la caméra. Vous allez donc remonter la caméra vers le haut et le slot de la carte micro SD en mémoire sera sous la caméra. Si vous préférez donc passer par le cloud, Switchbot peut vous proposer leur cloud pour un peu plus de 6 €. Certains d'entre vous préfèrent passer par le cloud plutôt que passer par la carte micro SD. Alors, question hauteur, cette caméra fera à peu près 15-16 cm de hauteur, donc elle n'est pas très grande, donc assez discrète. Sous la caméra, on va donc retrouver 4 pieds en caoutchouc pour qu'elle puisse être maintenue le mieux possible sur un meuble en bois ou sur un meuble laqué sans problème. D'ailleurs, à l'intérieur du package, on va retrouver un support si vous désirez la mettre en hauteur. On peut s'apercevoir dans le dos de notre caméra, il y a une petite grille qui renferme donc une enceinte et vous allez voir que le son est vraiment bon. Vous allez pouvoir converser par exemple avec quelqu'un de la famille et vous allez pouvoir même faire peur à vos voleurs s'ils se retrouvent à l'intérieur. Et juste dessous cette enceinte, on va retrouver la connectique propriétaire micro USB qui est bien sûr fournie dans le package. Alors vous l'avez compris, on est sur une caméra de surveillance d'intérieur 1080p. Une caméra à détection humain ou détection d'animaux. De couleur blanche avec la tête noire. Elle sera assez discrète, elle s'intégrera parfaitement dans un salon, dans une cuisine, pour surveiller votre intérieur du temps que vous êtes parti en vacances ou du temps que vous êtes parti de la maison. Cette caméra sera spécialement dédiée à la surveillance de vos animaux ou à la surveillance de bébé lorsqu'il sera dans la chambre, soit en train de dormir ou en train de s'amuser. À l'intérieur du package, on va donc retrouver une carte de remerciement avec le petit code QR pour aller télécharger l'application qui sera entièrement accessible sous iOS et Android, l'application Switchbot. Vous pouvez donc aller la télécharger sous iOS et sous Android Play Store et App Store. Pensez bien à aller tout au fond de la boîte puisque un petit carton va contenir les différents ustensiles pour brancher et connecter votre caméra. Et à l'intérieur de ce carton, vous allez tout simplement retrouver la prise, le câble qui fait un peu plus d'1,50 m et vous allez retrouver un gabarit et le support si vous désirez donc mettre votre caméra en hauteur et vous allez retrouver la visserie, les chevilles, etc. On sera sur une caméra qui fera de la vision nocturne sans problème infrarouge. Très facile à connecter avec l'application Switchbot, vous allez voir c'est un jeu d'enfant.
entièrement accessible Android iOS, vous allez pouvoir l'utiliser avec VoiceOver ou Talkback. On sera donc avec une caméra Wi-Fi 2,4 GHz, c'est important et à souligner pour votre réseau. Alors, comme pour tout type de caméra, il faudra donc, une fois que vous avez téléchargé l'application SwitchBot, créer un compte SwitchBot avec une adresse mail et un mot de passe valide. On peut s'apercevoir qu'au centre de la caméra, une lumière clignote, ce qui veut dire qu'elle est en mode appairage. SwitchBot. On va donc ouvrir l'application SwitchBot. SwitchBot. Bouton. Une fois que vous avez ouvert votre application SwitchBot, vous allez aller complètement en haut à droite sur le petit plus. Une fois que vous êtes entré sur ce petit plus, vous avez donc tous les appareils SwitchBot à votre disposition. L'application n'est pas hyper accessible à VoiceOver, malheureusement. Il va falloir jouer de la reconnaissance d'écran avec VoiceOver. Mini 95 hors ligne. Pour jumeler vos appareils, il vous faudra donc être en possession d'un hub mini que vous pouvez acheter directement sur la plateforme SwitchBot. Voilà d'ailleurs ce hub mini, tout simplement c'est un petit appareil carré qui va vous permettre de connecter vos appareils SwitchBot. Vous le branchez et vous le connectez à l'application tout simplement. Une fois que vous avez ouvert l'application SwitchBot, vous allez donc aller à la recherche de votre caméra, la pan tilt 360 degrés. Elle est donc ici. Une fois que vous avez trouvé votre caméra, tout simplement, vous arrivez sur cette fenêtre. Donc, c'est à ce moment-là qu'il va falloir connecter votre caméra. Flashing red. Bouton. On va flasher notre caméra. Select 2.4 GHz Wi-Fi Network Endender Password. 5 GHz Wi-Fi is not supported. Donc, c'est ici que vous allez donc mettre le mot de passe de votre Wi-Fi pour flasher votre caméra. C'est parti. Une fois que vous avez entré votre mot de passe, vous faites Next et vous allez arriver sur un code QR. Vous allez présenter la caméra devant ce code QR tout simplement. Vous prenez votre téléphone, vous prenez votre caméra et vous la tournez devant votre téléphone. Le code QR a été vu par la caméra, on peut continuer à l'installer. Amazon Alexa, maintenant. Votre Panda Oblique Tilt Cam Silit est connecté à Alexa avec la compétence SwitchBot Smart. Votre Panda Oblique Tilt Cam Silit est connecté à Alexa avec la skill SwitchBot Smart. Voilà donc, votre caméra fait des va-et-vient et comme vous avez pu entendre, elle s'est connectée à notre Alexa sans aucun problème. On peut valider l'application. SwitchBot 2. Oblique Tilt Cam Silit. Champ de texte. On peut même renommer la caméra si on le désire. Voilà, donc comme vous pouvez voir ici, j'ai renommé ma caméra Vision. Use now. Bouton. Use now. Et je valide. Use now. All devices. Ma caméra est maintenant prête. On va voir l'intégralité des réglages de notre pan tilt 360 de chez SwitchBot. Alors bien entendu, cette caméra aura un mode tracking. Vous allez pouvoir donc traquer n'importe quelle personne ou n'importe quel animal à l'intérieur de chez vous. Vous allez avoir une vision nocturne, bien sûr. On est sur du 1080p Full HD, donc une bonne caméra, un bon retour. Je vous fais écouter le son tout de suite avec les images. C'est parti. Qu'est-ce que ça donne ? Là, je marche très vite. Et la caméra est quand même capable de me suivre en temps réel, et ça, c'est plutôt cool. Alors bien entendu, on pourra mettre notre écran en mode portrait comme en mode paysage. Et côté suivi, regardez ce que ça donne. Là, je marche très vite. Et la caméra est quand même capable de me suivre en temps réel. Et ça, c'est plutôt cool. Ah, je vais courir pour voir. Allez, je cours. Alors, lorsqu'une personne passe quand même assez vite, elle a un petit manque, je marche un peu plus vite. Et là, je marche normalement. Voilà, donc en marchant normalement, la caméra est quand même capable de me suivre. Et comme vous pouvez voir, une notification est apparue directement pour me prévenir que quelqu'un était dans le champ de la caméra. On va passer côté son, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Alors bien sûr, je vais pouvoir gérer, comme vous pouvez voir ici, sur
sur l'écran la caméra en faisant glisser mon doigt de gauche à droite ou de haut en bas. Voilà, donc comme ça, je peux observer ce qui se passe dans la pièce sans aucun problème. Alors tout en bas, on aura un panneau de contrôle avec les différents éléments. Vous allez pouvoir activer le tracking, vous allez pouvoir activer le mode nocturne. C'est avec ce panneau de contrôle que vous allez pouvoir gérer votre caméra à distance. Primus, vision, my home, all devices. Bien entendu, on a accès à tous les paramètres. Vision, my home, all devices, privacy mode, alarm notifications. Donc activer les notifications pour que lorsque quelqu'un se positionne devant la caméra, vous recevez une notification. Bouton activé. C'est... Alors comme je vous ai dit, au niveau de l'application, elle est à moitié français, à moitié anglais. C'est quand même assez compréhensible, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il faudra quand même avoir quelques notions en anglais. Mais comme je vous ai dit, SwitchBot ne fait pas que des caméras. Ils font des humidificateurs d'air, ils font des ventilateurs connectés, etc. etc. N'hésitez pas à aller voir leur magasin. Motion detection, off. Motion detection, motion, bouton. Désactiver motion detection. On peut donc régler la sensibilité du tracking. Detect human only. Et on peut détecter soit se concentrer que sur les êtres humains, puisque si vous avez des animaux à la maison, pour éviter que vous receviez des notifications un peu tempestives si vous avez un chat ou un chien qui bouge à la maison. Night vision, auto. On est sur une caméra qui va être capable de faire de la vision nocturne sans problème, puisque c'est une caméra infrarouge plutôt sympa. Volume settings, arrive. On pourra donc régler le volume de la caméra, puis comme je vous ai dit, avec cette caméra, vous allez pouvoir discuter avec vos interlocuteurs. Alors cette caméra peut être une caméra de surveillance si vous avez quelqu'un à surveiller de loin, par exemple quelqu'un de la famille qui est malade, une personne âgée à surveiller. Avec ce genre de caméra, vous allez pouvoir discuter avec la personne pour savoir si tout va voilà, bien. Donc là, je vous parle directement de mon téléphone, en fait, vous êtes normalement en train d'écouter la conversation directement sur l'enceinte de la caméra. Le son est plutôt bon, il n'y a pas trop grand chose à lui reprocher, ce qui veut dire que vous pourriez avoir une discussion avec quelqu'un qui est chez vous, une personne malade, une personne âgée à surveiller, ça peut toujours être parfait pour ce genre de travail avec cette caméra. Pour tout juste 30 euros, on a vraiment une caméra très costaud et avec beaucoup de fonctionnalités. Voilà donc, comme vous allez pouvoir voir, sur les cochons, pas de problème si je lui demande. Alexa, montre-moi vision. D'accord. Aucun problème donc pour visualiser en fait les images sur une Echo Show 8. C'est vraiment super cool. Voilà pour la présentation de cette toute nouvelle caméra de chez SwitchBot. Alors n'oubliez pas pour le concours, vous allez retrouver tout ce qu'il faut en description. Si vous voulez participer à ce concours et gagner votre iPhone 14 au mois de septembre, ça sera dans cette vidéo et vous allez trouver tout ce qu'il vous faut en description. C'est SwitchBot qui régale votre iPhone 14. Vous allez peut-être pouvoir le gagner car il y en a quand même 50 en jeu. Pour terminer donc avec la Pantilt 360, pour tout juste 30 euros, vous avez vraiment une caméra très efficace avec beaucoup de fonctionnalités qui surveillera l'intérieur de votre maison. Puisqu'on est sur une caméra d'intérieur, elle ne sera pas sur batterie. Obligatoirement, il faudra qu'elle soit connectée avec un câble. 1080p, Full HD, on est sur du tracking. Cette caméra est capable de vous suivre quoi qu'il arrive, de suivre l'intrus quoi qu'il arrive, d'enregistrer, prendre de photos, enfin tout ce que fait une caméra comme d'habitude, mais son prix, 30 euros, c'est vraiment pas cher du tout. Vous aurez là aussi tous les liens en description. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision High Tech. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker comme d'habitude, c'est important pour l'algorithme de YouTube et pour la chaîne Vision High Tech. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez gagner votre iPhone. Tout se trouve en description. Et au mois de septembre, vous serez peut-être l'heureux gagnant d'un iPhone 14. Salut !